Bonjour mes petites soeurs, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir. Mais dans quelle vidéo? J'ai acheté quelques petits trucs Disney. Ils se trouvent juste ici, bon le sac n'est pas plein hein, je vous le dis. Voilà, du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais commencer parce que j'avais déjà montré sur Instagram, du coup j'ai déjà déballé certains trucs. Je me suis acheté un petit pyjama de la fée Clochette, comme ceci. Hop, hop, voilà. En fait, il est tout noir. Et juste en bas, vous avez pour le serrer avec la ligne dorée. Comme la fée Clochette qui se trouve juste là. Voilà. Ça, c'est pour le pantalon. Et pour le haut, je trouve trop mignon. Mais je crois qu'il va être un peu petit. Je pensais qu'il faisait taille plus grand. Je suis un peu triste. Voilà la fée Clochette. Je n'ai même pas regardé ce qui était marqué. Belle Eve. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et alors, vous avez... c'est des manches. Et sur les manches, il y a plein de petites étoiles. C'est trop beau. Oui, c'est des manches. Voilà. J'ai un chat qui veut participer à la vidéo. Tu veux participer à la vidéo? Il veut participer à la vidéo, mon loulou. Tu veux voir ce que maman l'a acheté? Tu veux voir ce que maman l'a acheté? Fais coucou à la caméra. Coucou. Non, il aime bien tout ce qui est bruit sec en fait. Après. Bon, vous allez voir, il est ouvert, mais c'est pas grave. Je me suis pris ceci. Voilà. Du coup, je vous montre qui est à l'intérieur. J'avais pas vu en fait. J'ai la pop d'Alien en édition spéciale en lune de, enfin, dark. Il s'illumine. Elle est trop beau. Mais j'ai un peu, la boîte est un peu. Je sais pas si vous allez voir. S'ouvre toute seule. Voilà. Et avec ça, il y a un t-shirt. Hop. Et le t-shirt, je l'avais déjà acheté. Pour ceux qui veulent le reconnaître, surtout. Voilà le t-shirt. Il est trop beau, puis j'aime bien. Bon, c'est pas grave, je l'ai en double. Bon, moi, je l'aurai en double. Parce que je l'aime bien. Voilà pour le t-shirt, pour ce truc. Bon, je continue sur la même, parce qu'après j'ai acheté un truc pour mon chéri. Je pense que c'est moi qui va l'utiliser. C'est une tasse, mais une tasse de qui? Si vous entendez du bruit, le sac qui va, c'est normal, c'est le chat. C'est Monsieur Woody. Parce qu'en fait, il aime bien de jouer avec ce qu'il y a dedans. Je vous montre. Voilà, c'est quoi? Je laisse mon papier. C'est Rex. Ah, j'aurais tué. Excusez-moi. Voilà. Et alors, si vous voyez, le Rex est en relief. Et sa queue, c'est la anse. Je trouve ça pas mal. Et c'est pas vous, voilà. Bon, je la remets direct dans sa pochette parce qu'avec le chat juste à côté, j'y tiens pas qu'il me la casse. Ah, monsieur, après à la base, j'allais chercher pour ça. Qui est mon sac, je l'ai même pas encore ouvert, même pas encore essayé. Pourtant j'avais dit que j'essayerais, mais c'est pas grave. J'ai pris mon sac Dunfly. Oh, il y a un truc dedans. Là il y a une tirette, là une autre tirette, ici il y a une autre tirette. Par contre j'ai même pas regardé si dedans il y a. Ah non, c'est que des lignes. Oh, c'est des machins de sale. C'est juste des lignes, je sais pas si vous allez voir. C'est juste bête ligne. Voilà.
Il est très beau. J'ai pas encore retiré même la once. Allez. Oh. Heureusement qu'on a les ciseaux là derrière. On doit pouvoir couper pour voir la once un petit peu mieux. Il n'y a que ça que j'avais pas encore coupé. Hop, la once, elle est brune. Voilà. Ça, il donne bien. Quand j'irai quelque part où il faut pas beaucoup d'affaires. Et c'est, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un long fly. Pas long fly. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu dedans? Après... On a, enfin là c'est pour la même personne, après on a changé de, il y a des petites balles, enfin j'ai été à Tomainko et je voulais acheter des petites balles en mousse, peu mousse, comme ça il s'y joue avec. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, voilà, du coup je vais acheter deux... j'en ai acheté 4, j'en ai déjà 2 qui se baladent dans la maison. Voilà, après ça je lui montre pas non plus mais parce que il me les pique à chaque fois. J'ai été à Maxi Toys. Ouais, c'est Maxi Toys et j'ai trouvé des Tum Tum. C'est rare. Du coup, je me suis pris Blanche-Neige mais je viens de voir que je crois que je l'ai. Elle est là. C'est pas grave, je le l'ai en 2 fois. Je le revendrai s'il faut. Voilà. Après j'ai, je sais plus comment il s'appelle, l'âne dans, lui aussi j'ai un doute si je l'ai ou pas. Dans Blanche, enfin Blanche-Neige, qu'est-ce que j'allais dire? Allez, dans la Reine des Neiges. Il est tôt au matin, c'est pour ça, il est 10h18 exactement, il est trop tôt. Et après j'ai craqué parce que j'ai trouvé ma petite Marie, toute normale, la maman de Marie. Le papa de Marie. Hop. Ils sont tous normaux, hein. Ils ont juste leur collier. Et alors un des frères de Marie. Voilà pour la petite collection de Tum Tum. Je suis trop contente. Oui, il n'y a vraiment que le collier qui change. C'est comme ça qu'on les récupère. On les... Il me manque un frère. Le plus foncé qui me manque. Je suis un peu triste de ne pas l'avoir. Mais tant pis. Du coup, voilà. J'aimerais bien aussi, c'est de me faire des petites photos pour moi savoir où j'en ai et les mettre sur Instagram aussi, ce serait chouette. Non, tu les piques pas. Et c'est con que je peux pas vous montrer, mais j'ai... Oh, un gros colis là. Regardez qui va sortir. Vous voyez? C'est monsieur le chat qui est rentré dans le sac. Attends, je te remets pour le sac. Il me casse les bonbons, il me casse mon sac. Il vit dans les sacs, il vit avec les joulets. Il est fatigant. Il a plein de jouets. Il a je sais pas, 1 000 000 balles dans la maison. Il a des pluches, des nounours qui me piquent. Oh, mais non, c'est les sacs et les genres de... ça, je sais pas comment ça s'appelle, les... Qu'on relie les colis pour bien tenir, là, très serré, là, les, en plastique. Je vous ai déjà montré. Et il joue avec ça. Je sais pas pourquoi. Les sacs, les papiers. Vous faites une boule de papier, il est tout content. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire quel article vous préférez. Pff, il joue là à côté de moi. Il est foufou dans sa tête. Il pète un plomb. C'est pas grave. Dites-moi en commentaire quel article vous préférez. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir. Un petit commentaire, je vous réponds. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.